leur cote de popularité est en chute libre. Avec la série documentaire Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex voulaient raconter leur histoire vue de l'intérieur. Celle du harcèlement dont ils accusent les paparazzi, la difficulté pour s'intégrer à Buckingham Palace et leur fuite au Canada avant de s'installer aux États-Unis. Plus tard, le public a découvert les mémoires du prince Harry au titre évocateur, le suppléant. Courageux pour les uns, impudique pour les autres. Ce déballage de confidences et de révélations, de la mort de Lady Diana aux tensions avec le prince William, ne séduit pas le public. Au contraire, Meghan Markle et le prince Harry voient leur cote de popularité dégringoler. Dans l'opinion publique américaine, le cadet du roi Charles III perd 45 points et son épouse en perd 36, en un peu plus d'un mois, selon un sondage exclusif réalisé pour Newsweek 6 jours après la publication du suppléant. Supérieur à Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022. Prince Harry et Meghan Markle, victimes de leurs révélations? Sur les 2000 électeurs américains interrogés par l'organisme Redfield et Wilton, le papa d'Archie et Lilibet est apprécié de 31% des interrogés, contre 38% des vices négatifs. Ce qui lui donne une cote de popularité nette de moins 7, analyse Newsweek. Les données recueillies par Redfield et Wilton pour Newsweek le 5 décembre dernier plaçaient Harry à plus 38. Meghan Markle est perçue favorablement par 26% des Américains et défavorablement par 39% d'entre eux. Ce qui lui donne une cote de popularité nette de moins 13, contre plus 23 le 5 décembre, soit une baisse de 36 points, précise mon confrère. 44% des sondés ont estimé que le prince Harry avait eu tort de révéler dans son livre des conversations privées de sa famille, tandis que 26% ont déclaré qu'il avait eu raison de le faire. Quant à la série documentaire, elle aurait permis à 15% des sondés d'avoir une opinion plus positive du duc de Sussex, contre 16% pour Meghan Markle. 24% une opinion plus négative, 37% n'ont enregistré aucun changement et 23% ont déclaré ne pas avoir été au courant de sa diffusion sur Netflix. 23% ont vu la duchesse de Sussex d'un mauvais œil, 38% n'ont pas changé d'avis sur elle. Crédit photo, Backgrid UK.